Dans la rue, j'ai vu cet homme qui pleurait. Sans argent, demander qui lui en donnerait. Plusieurs personnes n'y portaient même pas attention. D'autres le fixaient tel un chien méritant sanction. J'étais allé lui demander ce qu'il avait, voulant savoir ce qui lui était arrivé. Tout d'abord, il décida de ne pas répondre, j'instais. Sa timidité finit par fondre. Je devins son confident en quelques minutes. Il répétait en boucle qu'elle était une grosse pute. Il était blessé et ne voulait plus de femme. À cause de ses poursuites, perdit l'âme. Elle avait comploté, lui avait tout volé. Et comme un coup, il s'était laissé enrôler. Sa femme chose un genre de le faire déguerpir. Mais ceci n'était là que le début du pire. Elle prit toutes ses affaires, ses habits les vendit. Ne garda que ce qui lui était utile. De l'argent avec ses ventes, elle en eut une pile. En y repensant, il se leva et me dit: mais moi je l'aimais cette salope. Et même que pour elle, j'avais hâté la clope. Elle m'arnaquait, je faisais la top. Je ne voyais pas un problème, je restais myope. Mais moi je l'aimais cette salope. Et même que pour elle, j'avais hâté la clope. Elle m'arnaquait, je faisais la top. Je ne voyais pas un problème, je restais myope. Il était tard, je mets ça sans aucun problème. Qui rencontre cette dame et se rend compte qu'il l'aime. Elle semble gentille, non manipulatrice. Tout contre ses n'était qu'une simple et bonne actrice. Elle se servait également du patron de l'homme. Dans ce constat, elle pensait à vivre sous la lampe. Jusqu'à ce que son mari se retrouve au chômage, lui, il aura compris, ne tourna pas la page. Cette erreur se retournera pour lui bien vite. Quelques mois plus tard, il n'avait plus son beau gîte. Il avait encore un peu d'argent pour survivre. Il dormait à l'hôtel, là, il se rendait ivre. L'autre con le quitta dès qu'elle en eut l'occasion. Ils avaient un enfant, il payait les pensions. N'ayant plus d'argent, l'État le mit à la rue. Cet état en qui il avait tellement cru. Mais moi je l'aimais cette salope. Et même que pour elle, j'avais arrêté la clope. Elle m'arnaquait, je faisais la top. Je ne voyais pas un problème, je restais myope. Mais moi je l'aimais cette salope. Et même que pour elle, j'avais arrêté la clope. Elle m'arnaquait, je faisais la top. Je ne voyais pas un problème, je restais myope. Cela faisait déjà 4 mois qu'il était là. Assez longtemps pour que ce numéro se tape là. Pendant ces mois, il ne gagna que 20 euros. Ce n'était pas assez quand il avait les crocs. Pourquoi les sans-abri soient tous des merdes? Des fois leur dose n'est pas de leur faute s'ils le perdent. Il finit son histoire, me demanda de l'aide. Moi je ne l'osais pas, mais finalement je sais qu'il n'y a que chez moi. Et je lui prête des habits. Après quelques jours, c'est lui mon meilleur ami. Il a retrouvé du boulot. Il est banquier. Il n'y a plus de raison de lui fournir pitié. Aujourd'hui il a son nouvel appartement. Et il a même trouvé l'amour apparemment. Il peut enfin manger. On n'a plus le vent creux. Enfin il réussit et il est bien heureux. Maintenant je n'ai plus cette pétasse. Dans mon cœur une autre, c'est déjà forgé une place. En rendant son image est couverte de crasse. Parce que se fera prendre et finira dans les mélasses. Maintenant je n'ai plus cette pétasse. Dans mon cœur une autre, c'est déjà forgé une place. En rendant son image est couverte de crasse. Parce que se fera prendre et finira dans la mélasse. Maintenant je n'ai plus cette pétasse. Dans mon cœur une autre, c'est déjà forgé une place. En rendant son image est couverte de crasse. Parce que se fera prendre et finira dans la mélasse. Maintenant je n'ai plus cette pétasse. Dans mon cœur une autre, c'est déjà forgé une place. En rendant son image couverte de crasse. Parce que se fera prendre et finira dans la mélasse. C'est un peu intimidant comme truc. C'est ma première chanson que je fais publier sur YouTube normalement. Bon, j'ai décidé de faire un rap, donc c'est plutôt un rap, c'est pas une chanson, mais voilà. C'est mon premier essai là tout de suite. Si c'est le bon essai, bah je vais publier. Bah, déjà là, je suis un peu malade. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais j'ai jamais trouvé le temps de le faire avant, donc j'en ai profité là. Ah bah voilà, je suis malade, la preuve. Et bah, j'espère que ça vous aura plu. C'est absolument pas du vécu, hein, parce que je peux pas accueillir chez moi quelqu'un, quelqu'un chez moi, parce que j'ai pas l'âge et tout, hein, j'ai même pas chez moi, là, je suis chez ma mère. Mais cette chanson, en fait, c'est que je me suis dit que on fait pas assez de chansons qui prennent le rôle de quelqu'un d'autre. C'est genre, bah, tout le temps, on parle de soi-même, on parle pas assez de ce que les autres peuvent vivre, et en plus, on prend pas assez le point de vue des autres. Par exemple, au début, quand je dis qu'il y en a qui le regardent tel un chien mérite en sanction, bah... Ah, c'est la vérité, il y en a que quand ils voient des SDF, bah c'est genre... Ah, bah c'est qu'un petit merdeux, quoi, c'est...
c'est choquant, quoi. On peut pas juger les gens comme ça. Et du coup, je me suis dit qu'écrire cette chanson, ça fait une belle petite histoire. Quelqu'un qui accueille SDF chez soi, que son histoire était malheureuse et qu'au final, bah, il tombe amoureux, il a son appartement. C'est super. J'aimerais bien que ça arrive à quelques SDF. Mais bon, c'est pas commun. Putain. Mais en tout cas, il y a des parties où j'articule pas trop bien, j'ai l'impression, parce que c'est j'ai fait trop de sons qui se s'assemblent pas. Du coup, ça fait des trucs pas super beaux des fois. Donc, si vous voulez les paroles, description. Et bah, je vous dis à plus. Et il y aura peut-être d'autres chansons. Hein. Qui sait? Si, il y en aura d'autres. Et je prendrai encore le rôle d'autres personnes ou sinon je parlerai de mon vécu aussi, bien sûr, parce que parler de soi-même aussi, mais pas que. Ben voilà, je vais faire plusieurs chansons différentes, ce sera cool. Vous allez voir. Je vous spoil un petit peu, on va dire. J'ai fait une chanson sur un mec déprimé. Déprimé, mais un stade fort, très très fort. Après, j'ai fait une chanson d'un amoureux. J'ai fait aussi la chanson du mec qui a quitté une fille. Enfin, j'ai pris plusieurs rôles, c'est sympa. Ou même le rôle du flemmard, ça j'ai pris aussi. Ah, c'est pas mal. Bon, je suis un peu flemmard sur les morts, c'est vrai. Mais bon, bah bisous bisous. J'espère que ça vous aura plu. À une prochaine.